Salut, c'est votre Caprod, le youtubeur. Aujourd'hui, je suis invité à Montréal par Ubisoft pour participer. Alors, participer. J'ai été invité pour regarder plutôt tout ce qu'il y avait par rapport au Six Invitational. Si tu veux, c'est une compétition sur un jeu. Le jeu, c'est Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege, c'est la suite de Rainbow Six Vegas. Rainbow Six Vegas, c'est mon tout premier jeu sur PS3 en ligne. Quand j'ai acheté ma PS3, le mec a filé un micro avec. Et mes parents, ils voulaient pas trop que je joue en ligne. Et j'ai dit non, mais le micro, je l'utiliserai pas. Et un jour, je l'ai allumé. Et c'était un bonheur. Je me suis trouvé des potes. J'avais, je crois, peut-être 14 ans ou 12 ans, je sais plus. Et les mecs, ils avaient 20 ans et je jouais avec eux. Et c'était mes meilleurs potes. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vraiment, c'était trop cool. Et le jour où Ubisoft a annoncé une suite, mais j'étais comme un dingue, vous l'avez vu sur ma chaîne, j'avais plein de vidéos. Alors, il y en a qui connaissent peut-être pas le jeu, mais pour faire simple, il y a deux équipes. Il y a les défenseurs qui s'occupent de barricader la maison, de mettre des pièges et du coup, soit de conserver un otage dans une pièce, soit de défendre des bombes. Et il y a notre équipe qui est les attaquants qui, eux, doivent directement rentrer dans le bâtiment, esquiver les pièges, réussir à prendre l'otage ou désamorcer la bombe. Et bien, le jeu a tellement été famous, ce mot n'existe plus, mais j'utilise, qu'il est passé en e-sport. Ça veut dire qu'il y a des gens comme un match de foot qui font une compétition. Alors, il faut comprendre que de plus en plus, le jeu vidéo est devenu un sport. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui s'entraînent à jouer, à jouer, à jouer et qui du coup finissent ici à Montréal pour une compétition qui est mondiale. Il y a toutes les équipes. Là, à l'heure où je te parle, la France est éliminée. Mais bon, en même temps, on peut pas être les meilleurs partout. On est déjà les meilleurs au handball. Je vous montre très rapidement ce que c'est qu'un peu l'e-sport et ce que c'est que l'ambiance sur place parce que c'est une ambiance de dingue. Je vous montre ça rapidement. Regardez le match, cassez pas les couilles. C'est un petit résumé de ce que j'ai vécu sur place. Vous avez pu voir quelques techniques. Si tu comprends pas le jeu, eh bien tu vas le découvrir. Et si tu connais le jeu et que tu veux en savoir encore plus, eh bien je pense que tu tapes juste Six Invitational sur YouTube et il y aura plein de vidéos. Et je pense qu'il y a des beaux moves à regarder. Et même moi qui joue au jeu depuis très longtemps, quand je vois les pros jouer, je me dis mais je suis une grosse merde. Et ça doit te le faire aussi chez toi quand tu regardes un match de foot et que tu vas jouer dans ton quartier. Bah c'est pareil. Bon là vous vous dites ah, bah c'est bien mec, t'es allé voir l'e-sport, c'est cool, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Non, mais il y a pas que ça dans cette vidéo. J'ai aussi été invité pour aller tester en avant-première les prochains DLC. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur Rainbow, t'as des agents. On avait une dizaine dans chaque camp au début. Et plus le jeu a avancé, plus il y a des DLC où il y avait des nouveaux agents. Sauf que ce qui est vraiment cool, c'est que t'es professionnalisé avec un agent, tu penses que c'est le meilleur. Et Ubisoft, les petits malins, ils sortent un nouveau DLC. Et le nouvel agent, eh ben, il te nique toute ta stratégie que t'as depuis le début. Et là, le nouvel agent qu'on a, sa capacité, elle permet de lancer un cri dans toute la map. Qui fait que si tu bouges, t'es repéré et tu deviens rouge sur la map. Et du coup, on te voit. Par contre, si tu ne bouges pas, on ne te voit pas. Mais du coup, ça te nique ta stratégie. Parce que par exemple, si t'es en train de courir et que tu vois que ça sonne, d'un seul coup, j'ai dit putain, je bouge plus. Et ben, tu bouges plus, mais tu te fais tuer parce que tu bouges plus. Vous allez voir tout ça en gameplay. J'ai joué avec beaucoup de youtubeurs. Il y aura tout le monde dans la description. C'était une bonne marade. On a joué contre un comptable parce que c'était hier soir. Grosse ambiance. Check à mon comptable perso. Salut. Salut. Bonjour. Eh, hey, j'adore ce que tu fais sur YouTube. Merci, je suis sur Dailymotion. Ah bah c'est bien aussi. Eh, hey, on joue pas du tout en équipe. On rappelle qu'on doit battre des Anglais et que. Ouais, je sais pas si on a eu une guerre contre eux, mais dans le doute, ça serait bien qu'on la gagne. En plus, en face, c'est le premier de la classe. Il a l'air tellement concentré. Ah ouais, y a en face, vous voyez pas, mais un mec, il habille en comptable. Genre à la fin, il fait les cons de la partie, le mec. Enrizo. Salut, regarde, c'est moi ça. C'est toi ça. Oh. Eh, mais vous êtes où là? Allez, venez, on rentre, on réfléchit. Pas. Allez, rentre. Suivez-moi. Attendez, il y a un truc bizarre là. What? Attends, il y a un truc qui vibre. Ils savent notre position. Bah, et nous aussi, on sait la leur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop cheaté, ils sont en haut. Je suis bleu, je suis repéré. Mayday. Ils sont arrêtés. Ils nous voient. Ils sont en haut, fais gaffe. C'est qui Golf? Golf, tu vas mourir. Golf, t'es mort. Fais gaffe, t'as des épines. Ils sont devant. Allez, touché. Premier kill. Mais qui c'est qui va tuer? C'est moi. Et puis, c'est pas moi, mais trop con aussi. Il était là derrière, il pète le truc. Putain, mais concentrez-vous un peu, merde. Pardon. On s'est fait tuer par un comptable, les gars. On dirait Thierry l'ermite, mon pote. Je voudrais vous annoncer que c'est moi qui vous ai tué tout à l'heure. Ouais, j'ai senti les moins 5. J'ai moins 95 de points, je pense. Ah non, y'a Rico qui a fait encore pire que moi. C'est moi, Rico. J'en vois un, il rentre par la petite porte, la porte qu'on a mis. Oh putain, mec, j'ai été flashé, on dirait une boîte de nuit. Putain. Eh, y'a pas moyen, on meurt pas, on gagne. Oh, j'en ai tué un. Oui, bien joué, Rico. Ok, regardez bien, deuxième kill de votre Caprod, le youtubeur, regardez bien. Oh merde, il m'a vu, je crois. Attendez, je l'attends. J'ai touché. Yes, deuxième kill. Putain, Rico. Go, chez où il est l'autre? Il est là. Ah, j'ai touché les romains. Oh, je l'ai vu. Mais c'est pas toi, Grégor. Ah, d'accord. Ah, je suis Echo, moi. Bon, les amis, Rainbow Six Siege, c'est bon, j'ai le nouvel agent. Finca, mon pote, on n'est pas là pour prétendre. Il est en train de nous faire un rap sur ma gauche. J'ai rien compris. Bon, regardez, j'ai la nouvelle arme. Vas-y, tire pour voir.
Ah trop bien, allez on se casse, on bat les couilles. Non bougez pas, bougez pas. Entre nous. Ah mais ah, putain, putain, m'a tiré dessus. Qui c'est qui t'a tiré dessus? Bah c'est toi connard. Tu vois, je t'ai pas vu. Allez, un peu de concentration s'il vous plaît, hein. Tirez-les à vite, après il va se plaindre au professeur. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Mais pas le ton fusil là, putain. Mais putain. Mais t'es un gamin. Mais putain. Mais putain, casse-toi. Yes. Le comptable il est en PLS. Là franchement les mecs, vous me décevez en face, hein. Erico, t'as pas mis tes boulettes? C'est quoi cette phrase de merde? Erico, t'as pas mis tes boulettes? Putain, y'a quelqu'un qui m'a... Putain, c'est un abonné qui a trouvé mon numéro. Oh le lourd. Mais le mec, c'est un comptable, mec, il est pas là pour jouer. Depuis tout à l'heure, il remplit une fiche de compte, je le vois. Il fait des rapports. Fait... Tu sais, c'est des mecs qui jouent leur vie, mais ils savent pas jouer. Ah, mais arrête, il va se plaindre au principal. Je suis sûr, il connaît le propriétaire d'Ubisoft. Ouais les Français, pas super cool. Non, mais je vais leur dire qu'ils jouent un peu quand même, parce que là. Alors, pour tirer, c'est le clic droit, hein, d'accord. On suit Grégor, on suit Grégor. On suit Grégor. Allez, Grégor, chef d'équipe. On y va, Grégor. Formation au crabe, le mec. Attention, bougez la tête, ils sont où? Ils Bon, c'est là-bas. Il est où, là, il est là. What? C'est qui Golf? Désolé. Il nous a tués, mais putain, mais non, mais vous déconnez un peu, bande de gros cons. S'il vous plaît, contrôlez-vous un petit peu là. On se concentre, hein. Comptabilisez-vous un peu. Arrête, t'as dit comptabilité, le mec il était. Il a sorti un carnet, il a fait ses comptes. Attention, bougez, attention, bougez pas. Ah, notre soleil. Les mecs ils sont trop pas stratégiques, ils le lancent au début du. Oh! Ah, je suis dedans! C'est pas fini, c'est pas fini. Là, il est là! Il est là! Un comptable à terre. Attention, ne bougez pas. Non, mais quel putain, con. Je suis sûr que c'est le comptable qui m'a tué. Putain. Vous vous rendez compte qu'en face, ils ont fait wouh. Ça, c'est pas bon signe. Je suis tellement pas rassuré. Yes, let's chop. Hop là. Wouah, wouah, wouah. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Quelle grosse merde. Oh, bien joué. On les a comptabilisés. Non. Ils ont triché. Ça lag, c'est la connexion. Est-ce que je peux appuyer, je le fais ou pas? Ouais, vas-y, fais vibrer, qui c'est qui a le téléphone là? C'est parti, téléphone. Ok, il y en a un qui est repéré. Deux, c'est parti, go les gars, courez. C'est maintenant. Go, pénétration. Oh le campeur. Oh l'autre derrière son truc quoi. Ils sont les gens ils voient pas mais en face ils nous tirent des gueules depuis tout à l'heure. Je sens qu'on va se battre dans la neige. Ah mais ils sont carrément frisés le jeu quoi. Ah non. Oh les mauvais joueurs. Mais bah c'était une belle game. On revient dans la neige. Bah oui c'est une transition, on revient dans la neige, y'a pas de soucis. Si ce genre de petit gameplay vous plaît, vous pouvez voir la chaîne de Fragile Prod qui eux font vraiment que ça. Vraiment un côté troll fun. J'ai déjà fait une vidéo avec eux, c'est très marrant, je mettrai la vidéo dans la description. On va en refaire ensemble parce qu'on s'amuse beaucoup. Bien sûr les autres youtubeurs vous pouvez aller voir leur chaîne aussi hein. Mais Fragile Prod c'est un petit coup de cœur. Là vous dites putain c'est déjà fini. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de fun hein. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé. Non, Ubisoft a créé un autre truc. Alors là par contre, là je suis pas trop d'accord avec eux. Mais c'est mon droit, tu vois, je suis invité, c'est pas pour autant que j'ai pas droit de trash talk, hein, y a pas de problème. Ils ont fait un DLC, enfin c'est pas vraiment un DLC, c'est un événement en fait. C'est-à-dire qu'ils vont sortir un petit bonus dans le jeu mais qui sera là que 4 semaines. Quel est l'intérêt? Je cherche encore à comprendre. Je pense qu'il y a un côté marketing, il va peut-être ressortir plus tard, je ne sais pas. Attention, je dis ça comme ça. C'est un mode zombie où du coup il y a des nouvelles maps, les mêmes persos que dans le jeu, mais du coup c'est un mode zombie que tu fais avec 3 potes. Si vous voulez en savoir plus, il y en a dans la description, quelques images, comme ça, à la vite, allez c'est parti. Je m'excuse du faible éclairage, ils ont pas la lumière chez Ubisoft. Mais promis moi, de mon côté, parce que c'est ma faute, j'ai investi dans une putain de lumière. Voilà, c'était la pause un peu chiante. Maintenant, on va faire semblant de s'amuser avec les deux connards. Ah, venez voir, il y a un otage. Ah non, c'est pas un otage. Bonsoir. Il est mort. Hey, y a un zombie encore. Il est mort. Ah, une fois que tu les as tués, ils deviennent normaux. Comme quoi, c'est la solution à tout. Hein. C'est pas vrai. J'ai vu ça, si quelqu'un a un cancer, tu le tues et après il l'a pu. Oh, derrière, what the fuck. Il y a un zombie par capuche. Venez, on est tourné, venez, suivez-moi. Y'a des zombies jonquilles. Oh là, attention, les mecs, explosez. C'est pas des jonquilles, c'est des chocopops. Oh, y'en a plein. Venez voir, y'a un flamant rose ici. Ouais, c'est beaucoup plus important que le reste du gameplay. Regardez-moi cette texture, regardez-moi cette beauté. J'ai trouvé ma monture, moi. Je vais en tortue, moi, j'ai pas le style. Bon, je sais pas vous, mais on y va, les gars. Ah, j'ai prêt, viens voir, ouais, y'a un truc là. Je veux t'enfermer, le bâtard. Attends, reste là, on te ramène des zombies, bouge pas. Michel, non, mec, je suis tombé. Attends, je remonte, t'en as un autre. Ah, il me court après, attendez, je vous le ramène. Ouvre la porte, il arrive, Hop. Et c'est barricadé, c'est trop tard. Ah, venez me voir, j'ai trouvé un mec, je crois qu'il a une gastro, il est un peu chelou. Hop là, explosion, la double. Ah ouais, je sens que j'ouvrirai la porte là et que ça va être fermé à clé. Voilà, c'est bon, c'est fait avoir, on repart. C'était une super aventure entre couilles. Ah ouais, là, c'était. Attention. Choco-pop. Derrière. Trop facile, mais c'est trop facile ce jeu. Attends, tu peux lui mettre des petits coups de pression comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Regarde comme il est pas bien, il veut pas se défendre. Arrêtez de le massacrer.
Il veut passer la frontière, c'est un mexicain. Il est bizarre ton mexicain. C'est un mexicain avec une gastro. Y'a lui, on le tabasse. Eh, hey, tu exploses pas toi, tu exploses pas, tu exploses pas. Venez, j'ai un chocopop, je suis en train de le tabasser. Oh, il se défend. Je l'ai mis au sol. On dirait un buisson. Attendez, je vais essayer de m'en faire un tout seul. Regardez bien, vous voyez le mec tout seul là. J'arrive comme ça. Je lui fous un coup de couteau en avant. Il tombe et par derrière, hop, je lui pète la jambe. Mais c'est trop stylé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as découvert un peu de jeu, j'espère que ce placement de produit ne t'a pas inquiété, t'as pas dit ah, encore un placement de produit. C'est un jeu, j'y joue depuis des années, enfin des années, depuis qu'il est sorti. Là je pense que d'avoir rejoué à ça, d'avoir rejoué avec des youtubeurs qui sont spécialisés là-dedans, ça donne encore plus envie d'y jouer. Donc si chez toi tu veux rebrancher le jeu, hésite pas, et si tu veux en savoir plus, il y a un petit lien dans la description. Voilà, le jeu est cool, c'est sympathique. On se dit à très bientôt, bah tu vas mettre un pouce bleu parce que j'ai envie, d'accord. Pour finir, j'ai décidé de faire une blague très marrante. Salut.